Allez, donc moi je vais être connecté au niveau de YouYou. YouTube qui passe pas. Si, c'est bon. J'y suis. Voilà. C'est parti. A l'air de fonctionner. Ok, donc on va aller voir crack ce que c'est que le Coconins. Name, caractère console is waiting. Check si caractère est dans le standard buffer. Opcode 11, syntaxe. C'est pour le C. The gem does routine cocon check quand le caractère attend de lire. Ok. Interrupts one. Pourquoi c'est le 0? Alors, on va aller voir ça ici. Hop. On va li lire un petit peu ce que ça veut dire sur le guide. Ça, c'est un TROPS 14, TROPS 13, TROPS 1 et ses fonctions numéro 11. Ouais, fonction numéro 9, 10, 0 bébé. Alors. Qu'est-ce que ça dit ce petit Coconis? Statut égal. Non, ça c'est un GFO, pardon. Toutes les touches actionnées sont tout d'abord entreposées dans un buffer du système d'exploitation d'une taille de 256 octets. Le code de touche entreposé ne seront transmis au buffer de la routine que lorsque l'appel d'une routine de saisie. Consta et Coconis permet. Examiner si les caractères sont stockés dans le buffer du clavier. Après appel de cette routine, on obtient dans D0 la valeur 00 ou FFF. Donc un moins 1, tout simplement. Un 0 dans le DO signale qu'il n'y a pas de caractère disponible. Alors, comment on va faire pour mettre ça en place? Donc, je vais déjà écrire la routine Coconis dans ma bibliothèque, qui ne demande pas d'entrée, donc juste une sortie en D0. Donc, comme ça, j'aurai plus qu'à appeler cette fonction pour construire. La grosse routine, hein, je pourrais faire construire cette. Donc, on va déjà écrire cette routine. Alors, je vais aller en. Tool. Je sais pas pourquoi j'appelle ça Tool RPG, j'aurais pu appeler ça bibliothèque, mais c'est pas grave. Hop. Allez, remonte ici. 0B 1 donc restaure la résolution, restaure la palette, fonction du gemdos, on a dit quoi? C'est la fonction 0B, donc c'est 0,8, 0B c'est ici. Hop, on va l'appeler. Fonction 0B Coconis. Hop.
C'est... Ah non, c'est Onis. Voilà. Majuscule, s'il te plaît, Loïc. Fonction, donc on va l'appeler Gemdos. Oh bah merde, qu'est-ce qui se passe? Coconis. Alors, mauve.w. Fonction numéro 11. Traps. One. Allez. Point. ADQ même. ADQ parce que je suis en moins de 8. Donc on va pas. On va corriger la pile. Sur SP. Mauve 11 sur SP, bien sûr. Hein. Voilà, donc on injecte la valeur 11 sur SP et on modifie l'adresse de la pile. Voilà, là on a notre Coconis. J'ai plus qu'à appeler Coconis et j'aurai une touche. Faudra que je fasse donc un. On va se faire un get. Alors, le get. On va essayer de faire ça. FC init, init programme, save screen resolution, boucle de sauvegarde, déclaration, save color palette. On va la faire ici. Donc, on va se faire un get key. Keyboard. Tac. Ça nous permet de récupérer. Alors, on va essayer donc de l'appeler. C'est une fonction get keyboard. On va déjà faire un B. Branchement sous routine. Gemdos. Et c'est Conis. J'ai oublié le return d'ailleurs. Je crois que j'ai oublié le. Alors, merde, second, c'est pas grave, on remontera en haut après. J'ai oublié la fonction du return. Voilà. RTS. Faut bien revenir au programme principal. Tac, tac, fonction du gemme boss. D'ailleurs, ça, peut-être que je zapperai dans un autre fichier. Pareil ici, à nouveau un RTS. Retour. Hop, on va se faire un save. Ok, ça c'est fait. Donc on a mis en place la lecture d'une touche, enfin de la détection si une touche existe. Ensuite, Alors, coccyx, c'est... donc ils ont pas mis ça. Dans l'ordre, voilà. Merde, je comprends plus rien. C'est bien le... Voilà.
Alors, Coconings, tac, 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 tac. La fonction 0,8 se distingue par la fonction 0,7 évoquée précédemment. Les deux appels de fonction sont exactement les mêmes effets. La raison de ce fait, pour le moins curieux, tient à la compatibilité avec le MS-DOS. C'est ce que je disais, je sais plus quand, que on est finalement le DOS de l'Atari est assez proche du MS-DOS en fait. Le MS-DOS, ces deux fonctions se distinguent par le fait que 0,8 évolue correctement sur certaines touches dont il ne dispose pas l'Atari, alors que l'évolution inutile de l'Atari n'est pas opérée par la fonction 0,7. Ok. Donc on va aller voir là, ce que disent. Oui, mais attends. Ok. Donc on va aller voir le crossing. La fonction 0,7 ne se distingue de cocoding que par le fait que le caractère reçu du clavier n'est pas affiché à l'écran. Pour le reste, on attend donc qu'une touche soit actionnée exactement comme cocoding. Il s'agit cependant plus d'une attente logique. C'est que dans le buffer, il peut tout à fait. Ah. Je suis pas sûr que t'aies ça j'utilisais. On va regarder un petit peu hein, quoi. C'est du défruit, des cruates, de lait, je sais plus quoi ce que j'avais utilisé sur le GFA pour aller choper le caractère sans attente. F6, non, ça c'est pour le lecteur de disquette, le malloc, le mfree, le mshrink, le pepex, le first, le pattern. Ouais, je regarde sur le GFO, mais... J'étais pas plutôt sur le GM... Cette palette, cette screen, cette color, Midway, ça ne me dit rien, l'orec non plus.
Time, set time. Public mode LVDB, donc c'est pas dans le VDI. Comment on va faire? Et c'est earning. Attends, je comprends pas là. C'est Conis. Pourquoi comme 8? Attends, il y a un truc qui va pas. J'ai mis quel opcode moi? Je suis planté quelque part. CC Uning. C'est le code 11. Ah oui, d'accord. Non, j'ai déjà fait les deux. Je l'ai déjà écrit, mais je... Ok. Donc, tac, on va pouvoir utiliser le Jamdos Scening. Alors. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement ici? On va tester. Alors, je vais mettre commentaire. Si. Ah putain de merde. Alors, si D0 est égal 0, alors pas de touche actionnée. Si DO
est égal moins 1, alors une touche dans le buffer. On va appeler BSR GEMDOS SNECIN Knunning. Là, qu'est-ce qui se passe? DO. Alors, attends. Hop. D0 est égal numéro de touche du buffer. Voilà. Donc, comment on va faire? Il va falloir faire une comparaison à 0. Si des 0 est égal à 0, si 0 est vrai, alors on saute à fin. C'est ça qu'on peut faire. Bon. On va se faire une étiquette AND. Donc là, va falloir tester des zéros. Enfin, normalement, c'est quand on passe à des zéros. Oh, c'est chier ce truc-là. Si on passe à des zéros, il est égal à 0. On doit. Alors, je me rappelle même plus comment on fait une comparaison. D'accord, qu'est-ce qu'il me fait toi? Je chante et le machin il bouge. Non mais oh, ça va pas non? Alors, voyons voir. On va essayer de les jeux d'instruction. Alors c'est... Oh et ma couille, qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce que tu me fais? Hop. Les jeux d'instruction, on va aller revoir un petit peu ça. Hein. Adam, non, ça m'intéresse pas. Andy. Alors, je pense que ça va être dans les comparaisons. Voyons voir. BCC, si la condition a le... On va se faire un BCC. Il n'y a pas de BCCZ? Ah, si. Il faut que BCC... On va tester BCC. Z est égal à 0, donc c'est nœud. Donc c'est pas CC, c'est BNE. BNE. Non. BEC, c'est BEC. Z est égal à 1, c'est donc si 0 est égal à 1. Que je fasse un bec sur quoi AND. Donc on va faire un truc de ok, on teste et on va faire ici un bec. Sur un point AND. Normalement des zéros devraient. Mais Coconis, c'est en... Il me semble que le...
Il me semble que Knossing, il bloque le... touche du clavier, hein. Voilà, un peu sauf. Qu'est-ce que je mets à la fin, moi? Hey, ça bloque le clavier, ça, hein, j'ai ici un... C'est pas ça qu'il faut que j'utilise. Si? Branche sous Rustin F get keyboard. Une erreur dans le point onde. Ah! Voilà. Je trouve le raccourci clavier pour changer les fenêtres, ça serait cool aussi. Voilà. J'appuie deux fois. Donc ça bloque bien le clavier. Est-ce que j'ai le droit d'ouvrir un deuxième fois l'émulateur? Ouais, cool. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va redémarrer ça. Je vais faire lecture. Eh là, je suis en train de faire un wake. Le démarre le machin. Alors, aider. Effort. I. Quad. F. Non. Merde, je ne sais même plus. Est-ce que j'ai foutu ça, moi? Je suis pas sûr que ce soit ça. Une image, charger le tiles, non, c'est pas. Merde, je sais même plus où j'ai foutu le truc, moi. Alors, comme ça, c'est super. Bon, ça c'est... Qu'est-ce que j'en ai foutu? Je suis pas là.
Desktop. Ah non. Bon, c'est tout, c'est pas grave. On va regarder. Bon, en tout cas, mon truc fonctionne, mais. C'est pas ça que. Alors on va reprendre au début. Donc là on le sauvegarde. Conis c'est le 11, donc c'est le 0B. Cocooning permet d'aller chercher un caractère au clavier. On attendra jusqu'à ce que le caractère soit effectivement disponible. Oui. Le résultat, c'est-à-dire le caractère lu au clavier, sera transmis au registre 0. Bon, ça, il n'y a pas de souci. On attend. Coconut. Coconut permet de sortir à l'écran. Donc, on s'en fout. Coaxing. Dénomination d'auxiliaire port de l'Atari. Coaxout. Non. Crewio. Un mélange un peu habituel de saisie de clavier et d'affichage sur l'écran. Non. On attend donc qu'une touche soit actionnée exactement comme Cocooning. Pourtant. Ah ah, ça devrait sauter, donc si il n'y a pas de touche, ça saute. Ah, je dois pas faire de... Alors, on va tout simplement faire un Alt D, débugage. On va aller voir ça. Sauf que ça va peut-être pas. Alors, Ctrl X. Non, c'est pas Ctrl X, c'est Ctrl Z. Donc, ça, on sauvegarde sa file. Tac, 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 tac. Buff traps. Qu'est-ce qu'il me fait? Je suis bloqué sur le savepal. Pourquoi je suis bloqué sur le savepal? Qu'est-ce qui me fait? Et dégage du safe file, toi! C'est quoi ce bordel? C'est quoi le be...
Faut que je touche le four. Mon avis. Bah c'est tout, on va faire un sub. Ou un compas. L'opérant de source est soustrait de la destination. La destination est inchangée. D'accord, c'est bien ce que. Donc on va se faire. Donc là, un CMP. Zéro. Des zéros, simplement. Techniquement, je devrais appuyer qu'une seule fois sur la, parce qu'on va passer vite fait sur le, sur celui-là. Donc, si j'assemble, que je balance le truc. Ah merde, c'est pas ça que je voulais. Grave. Je vais appuyer qu'une seule fois et je dois quitter. Oui, bah voilà, on y arrive. Donc dans une boucle, il va bien choper le truc. Ouais, je commence à comprendre un petit peu. Ok. Testons un petit truc à la con. Alors, si je fais un test. Donc là, je récupère des zéros, hein, on est d'accord. Va se mettre une petite. Alors, on va comparer. Sais pas combien c'est zéro s'il n'y a pas de touche.
Ça, c'est pour faire un print. Donc, les valeurs ASCII. Alors, tableau ASCII Atari ST. Alors, je sais pas où je peux les trouver. Bon, on s'en fout, on va faire du 65. Donc, on va se faire ici. On va comparer. Non, c'est CMP. On va comparer 65 sur des 0. Donc, la touche A, c'est juste pour... Oh putain, c'est pas possible, ça. Ça commence à me... Voilà, on compare. Alors maintenant, on va... si c'est égal à 0, c'est qu'on a actionné, donc on continue le programme. Mais si c'est pas à 0, donc note égale si z n'est pas égal à 0. Non, attends. Note égale, c'est un BNE. Ok, BNE. On se fait un reboucle, par exemple, et là on va se faire un reboucle ici. Je vais ici éliminer celui-là. Je vais sauvegarder. Et techniquement, pour sortir du programme, il faut que j'appuie sur la touche A. La touche numéro 65 qui correspond à la touche A. Si c'est pas égal à 0, on retourne ici. On va essayer. J'ai sauvegardé. Je vais même faire comme ça. Je vais sauvegarder directement Save Over Depths. Je sauvegarde dans la mémoire du bousin. J'assemble. J'ai pas d'erreur. Je lance complètement. J'appuie sur n'importe quelle touche. Ça fonctionne pas. Touche A. Touche A. Touche A, ça fonctionne pas. Bon, j'aurais essayé. Ah, putain, c'est pas possible. Bon, c'est pas grave, on va... Alors, oui, mais ça, j'ai pas désactivé. Loi de... Normalement, je dois faire ça. Alors, pourquoi? Si 65 moins 0. Normalement, je suis ici. J'arrive là-dedans. Tac, 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 tac.
Miette. Il ne veut pas. Pourquoi? Et si je mets 0? C'est logique. Tout à fait logique. Donc c'est pas ça qui me pose problème. Numéro de la touche. Ah, on va appeler comme ça. Ah, il n'a pas aimé. C'est pas grave. Il n'a pas aimé. Alors, comment je l'ai appelé? Ah non, c'est XBIOS. XBIOS V5. Autant pour moi. Ça marche pas. Ah. Ah, 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 ah. 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 C'est logique, hein, voilà, il n'y a pas de souci. N'y a pas de souci.
Alors on va se faire une bidouille à la con. Des fois c'est tellement con. On va passer. Va se faire le crossing, voir un peu ce que ça donne. Donc zéro huit, non zéro sept, pardon. Sin, c'est Animal Crossing numéro 7. Donc c'est toujours du Gemdos. W 7 point SP Labs 1 ADD point L2 virgule SP S. Pourquoi une erreur? Simplement que... Tac. On va sauvegarder pour plus de... Et je lance le programme. Pardon. Pourquoi? Qu'est-ce qui me fait ce con-là? Oui. Donc on va faire un contrôle W. Z.
Ah. Je dois saturer la mémoire. Non. Ça ne marche pas et j'ai pas de commande pour quitter. Wouhou! Bon, c'est pas grave. Je vais donc relancer le bousin. Quelle heure il est? 6h30. Déjà. On va essayer un truc. Est-ce que je me trompe pas de... numéro de valeur. Ah, il me semble là maintenant. On va voir ça. Ah, c'est tout con. Non. J'ai cru. J'ai cru.
Ceci dit, est-ce que j'ai foutu mon code source du GFA basique? Ça, par contre, dans N, peut-être. Voilà, ça veut déjà. Alors, normalement, j'ai une routine. Initiation du variable global, buffer data games, zone main, scène de jeu. Je dois avoir une fonction qui s'appelle getInput là-dedans. Alors, comment j'ai fait ça? D'accord, je fais avec la touche Inke. Cool. Ça, donc du coup, ça ne m'avance pas du tout. Mais pas. Donc ça m'avance pas, donc c'est pas. Où est-ce que j'ai utilisé les fonctions? Oh, j'en sais rien du tout. Et puis alors AST, projet, ah, peut-être dans ma source. Peut-être dans cette map. Alors voyons voir. Est-ce que boucle de map direction. J'ai un get keyboard quelque part, mais il faut que je le trouve. D'ailleurs, je m'étonnerais. Est-ce que je l'ai foutu ce get dans le scene manager, une map peut-être. Non, je viens de. Bah. Alors, ça c'est bien, ça c'est rigolo. Ça c'est le blitter, ça c'est la classe player. Ça c'est le glass. Get collision. Ça, c'est le draw map, le draw player. Oui.
Ah bon? Ouais. Ben oui, logique. Je l'ai mis dans le Happy STH. C'est vrai que je peux pas le trouver là. Alors il est où lui? Voilà, ça ira peut-être mieux si j'ouvre le bon fichier. Mais pourtant, j'utilise un Crowin. Ah, ouais, voilà l'erreur. Voilà l'erreur. Mon D0, faut que je le décale. Faut que je le décale. Bah, j'ai juste un swap à faire. Alors. Je vais relancer. Devpack. Load. Test. Mais voilà l'erreur. Donc moi je... Donc je vais le chercher. Là je regroupe. Donc là pour le moment on va garder en 65. On est d'accord, mais des zéros, faut que je fasse un swap. Ça doit être ça. Ça doit être swap des zéros pour inverser, parce que c'est une valeur 32 bits. Donc. Voilà, donc un décalage de 16 bits, donc c'est la moitié. Donc, tac, 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 tac. Voilà. Save. Est-ce que c'est bien le mot swap? C'est bien le mot swap. Et donc, du coup, on va lancer le bousin. Et ça marche toujours pas. Là, par contre, là, ça commence à me... On va essayer autrement. Enfin, ça va pas ça. Alors... C'est fait, c'est fait, c'est fait. Donc j'ai oublié de faire le swap des zéros. Donc, alors, ce qu'on va faire, c'est que on va aller directement dans la routine pour faire cette swap. Donc ça c'est bon.
swap. Ok. Donc, ok. Ici, récup. Voilà. Normalement, je peux même faire un truc du genre comme ça. On va sauvegarder. On va se remettre. On va. Est-ce que c'est une étiquette? On va voir si ça fonctionne. Touche échappe. Ça fonctionne. Techniquement, donc ce qui veut dire. Up c'est 0x48, left c'est 4b, right c'est 4d, down c'est 50, je ne sais quoi, 0. Donc la touche A c'est bien 10, ouais. Parce que je fais juste un scan code. Ouais, le début. Ouais, 9 pour le 10, je touche B, c'est B. Ok, oui, je suis. Je viens de l'assembler. Voilà, touche A, et cette fois-ci ça fonctionne. Voilà. Et ben voilà. Le roi mon café, comme. Voilà, voilà, voilà. Bon. Café, je resterai un petit quart d'heure. Enfin que non, ça va être l'heure, hein. L'objectif de demain, donc commencer à mettre une mise en page du programme principal. Donc vu que maintenant que je peux et bon, ça, j'y connais rien, donc. Une petite option ici pour. Contrôle, j'ai pas dû voir. Un écho symbole, je sais pas. Écoute au symbole, je suis rien. Reviens un peu sur mes pas, sur ce que j'ai fait en langage C pour aller récupérer les bonnes données. Normalement, je dois faire un autre petit programme. Bref, donc j'avance à mon niveau, bien sûr. Hein, mais bon, ouais, c'est ça, c'est si je suis pas à zéro, on compare. Bref. Voilà. Allez, je quitte le stream. Il me reste demain midi ou pire demain soir. Je devrais avoir une semaine de vacances. Bon, ça va faire sourire à l'heure actuelle, mais moins que ça. J'ai qu'un jour de vacances. On veut dire réussir à plus joueur. Donc en mode c'est sur la en ASM. D'accord. Donc il y a encore quelques. Ouh là, là oui, là ça va plus là. Je sais pas ce qui